Je voulais vous parler d'une autre actualité de cette dernière semaine. C'est la sortie en kiosque de ce numéro collector de Society. Society, c'est un des nouveaux fleurons de la presse indépendante. C'est un magazine qui paraît tous les 15 jours. Et il réinvente, je crois, l'actualité politique et sociale à sa façon. Society et Reporters sans frontières s'unissent pour une table des matières que vous allez voir riche, avec un principe simple. 8 journalistes menacés ou détenus ont la possibilité de continuer leur enquête ou de faire des interviews malgré les menaces qui pèsent sur eux et le manque de liberté dont ils font l'objet. Eh bien, ça, c'est possible grâce évidemment au concours de la rédaction de Society qui a entrepris de collaborer donc avec ces journalistes que nous avions identifiés et communément choisis. Et le numéro là que vous avez, c'est un numéro qui est malin, qui est grave, et je vous invite à le découvrir, à le lire. 1 € est reversé à RSF, donc j'ai évidemment un intérêt à vous en parler. Mais sachez que c'est surtout un objet militant et solidaire qui peut permettre, à mon avis, de découvrir pour vous quelques-unes des figures pour lesquelles on se bat et qui sont des personnes admirables, malheureusement trop souvent méconnues, mais toujours, toujours déterminées à poursuivre l'idéal du journaliste. Merci et à bientôt.